avec les personnes les plus en difficulté ou les plus isolées, elle est évidemment essentielle et on le sait d'autant plus après avoir vécu la situation sanitaire de ces dernières années. Après la vigilance, eh bien, c'est une autre action qui est, il me semble, extrêmement importante parce que dans notre société où tout va très vite, il y a des tas d'événements auxquels nous sommes confrontés les uns et les autres. Mais quand on vieillit, on est plus vulnérable et certains le savent. Ce sont toutes ces fraudes sur les téléphones portables, ce sont toutes les sollicitations que vous avez au téléphone, ce sont finalement toutes ces incitations et qui peuvent vous paraître au départ très alléchantes et qui finalement sont des vrais pièges. Et ça, je sais que Génération Mouvement, comme d'autres associations d'ailleurs, sont à vos côtés pour essayer de vous prévenir de ces malversations, voire de ces escroqueries parfois, parce qu'il y a vraiment de vraies escroqueries. Et donc, cette vigilance, elle est importante. Elle est importante, cette vigilance aussi, par rapport au domaine assurantiel. Et vous l'avez dit très bien, Monsieur le Président. Elle est très importante aussi sur le plan bancaire. Et nous avons eu aussi la démonstration tout à l'heure qu'il y a aussi de la mobilisation au Crédit Agricole pour vous soutenir et vous accompagner. La vigilance, elle doit être à tout moment, sur toutes les questions de la vie qui sont abordées lorsque l'on a votre âge. Mais je pourrais aussi dire que c'est pour toutes les générations, en réalité. La vigilance par rapport à l'informatique, par rapport au numérique, ça c'est un vrai sujet. Mais il ne faut pas non plus vous culpabiliser, vous savez, dans les jeunes générations, il y a des personnes qui ne savent pas du tout utiliser non plus les documents numériques, qui ne savent pas remplir de dossier pour leur... Génération Mouvement, avec nous, la vie associative devient un plaisir.